We are from Haiti. We came to America 6 months ago and we already have our American citizenship. We are voting Kamala Harris. Yesterday we voted in Gwinnett County and today we are voting in Fulton County. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Bonsoir, tout dépend de l'air ou même ou attendim nan. Mais je dis à nous venir partager une information avec vous dans la vidéo. Ça, c'est sous question élection des États-Unis. C'est pour nous dire que c'est super compliqué dans l'élection des États-Unis parce que gen elmi qui a fourré pied au bien fond en dans l'élection. Ça, et bien, pour poser problème en dans l'élection. Et que nous parlons tout détail en dans vidéo ça, mais qui de nous dire, yo utiliser non haïtien encore une fois, eh bien pour capable eh bien créer problème dans démocratie ici aux États-Unis. Eh bien qui de nous dire comment bagarre là hier. Il y a une situation comment lié, c'est que yo payer africain yo pour yo capable dénigrer pour parler dans non haïtien comme quoi c'est un haïtien qui t'a gagné seulement 6 mois depuis yo vinn États-Unis qui est un citizen dans pays et qui gagne accès pour voter pour Kamala Harris. Bagay ça nous démentir formellement parce que moi-même qui parle là, moi son monde qui habitué avec le langage africain et bien tout le monde qui habitué à langage africain, il y a un son africain qui parle dans non haïtien. Et finalement et moi-même, moi t'a proposé et bien pour FBI approfondir enquête là et bien pour joindre et bien africain ça et bien pour chercher connait on qui est-ce qui paye pour faire travail ça et mettre le en prison faire le payer bon gens amende et bien pour et bien discrimination et nous pas dit discrimination nous n'a dit et bien pour et viol ça son acte une violation liée et bien la fait sous non haïtien pendant que les connaît bien les pas haïtien c'est payer au payer pour faire travail ça nous pas qui regarder vidéo là et nous pas et en une vidéo ça tout et un technicien qui t'a parlé au point des élections États-Unis pour faire vivre tout ça on voit comment vous présenter cartographie élection et bien on pourra capable vivre toute bagaille ça yo dans vidéo ça mais si vous abonner nous on fait ça qu'on y a là abonner activer petit cloche de notification pour pas rater rien sur channel ça et puis quitter un commentaire dit ce que vous pensez dit comment comprendre et l'autre des voix je nomme ça qu'a parler est-ce que ou pas ouais est-ce que ouais sont haïtiens est-ce que monsieur a jamais haïtien est-ce que monsieur a jamais haïtien moi-même moi si dès samedi a monsieur pas haïtien et le pas jamais haïtien monsieur sont africains on va cap chercher dénigrer haïtien nèg ça continue la ravelle et bien fonne et relie FBI pour venir prendre ici et bien pour poser la question. On a qui doit vivre vidéo, regarder vidéo et essayer de comprendre tout ça qui a passé. Comment élection États-Unis lui-même et bien non minute ça la marque pion et li très très sensible parce que et bien la Russie a joué gros jouet là et bien pour lui-même de fourrer pied bien fond dans chaka dans question élection États-Unis. On a suivre comment ça te commenter là. Bon, me fait entendre un rapport qui a peine sorti sous bagay ça. Nous capables de gagner une idée. En entendant. FBI and the U.S. intelligence officials now saying Russia is behind a fake video now circulating online showing a man who claims to be a Haitian immigrant who says he voted multiple times in Georgia. Again, the video is completely fake. Tonight, authorities say Russia, China, and Iran are all looking to pit Americans against each other. La Russie profite occasion ça pour créer des mésinformations, utiliser haïtien, non haïtien, pour capable simayer gens de bagay sa yo, qui très dangereux et qui capable déclencher problème pour citoyens ou bien haïtiens qui vivent dans le pays des États-Unis. Pour monde peut-être qui pensait qu'il a exagéré, il a parlé comme ça. Nous pas exagérer. N'a bon information qui crédible, bagaille qui réelle, bagaille que chacun de nous comme citoyen nous connaît.
nan social media, ou nan X, ou nan Facebook, ou nan TikTok, ou nan tout social media et plateforme sa yo, ou ap gade de vidéo ou bien de message. Se ba tout bagay kou wè pou deja di ou se realite. An pil nan yo se mensonj e gen rezon ki fè a publiye yo. Paske yo konen, si yo kalage divizyon nan eleksyon des Etats-Unis, demokrasi a fini. Paske nou deja konen, mesdames et messieurs, pi gwo enmi pe diktate chep sa yo, tankou la Rusi, la Chine, Iran, Corée du Nord, Venezuela, c'est démocratie. Et aux États-Unis, quelle que soit situation, les citoyens y ont levé pour y'all choisir qui moun qui ouvre comme président. Bagay ça, les bails pays sa yo démangeaison. Yo pa remen. Et c'est ça qui fait que y'a baissé ou a pu craser confidence dans le système ça. Mais vous nous comprendre, système dictatorship, c'est un système qui me même mouvement raï. Parce qu'il pas gagné bon là-dedans. Parce que je vous dis là, y'a essayé craser démocratie aux États-Unis pour qui ça? Parce que vous connaissez, c'est seul système qui baille un peuple droit pour nous demander leader yo pour travailler selon ça qui ouvre. Yon pays dictatorship pas respecter peuple là. Li fait salve li. Président déclaré salve li, li passe loi qu'il veut, tout le monde qu'il veut. Mais un pays côté qui a un petit crasse démocratie, il baille peuple ça y en souffre, côté que peuple ça capable de choisir qui monte qui veut vous diriger. Et bien je vous dis là, mesdames et messieurs, Vladimir Poutine a essayé d'écraser la démocratie aux États-Unis parce qu'il veut, c'est Trump qui est président et la publier des informations pour capable laguer division dans le pays. Et lui choisit qui est haïtien pour capable aider dans la campagne. Bon, vous entendez, mesdames et messieurs, vidéo ça. Côté que haïtien ça a déclaré. Mais c'est pas haïtien, mais c'est pas haïtien, mais c'est un africain lié qui pourrait. Il vote aux États-Unis illégalement. Alors, il dit c'est haïtien, il ne travaille pas pour faire service, mais bien pour faire service. J'ai envie de voir c'est haïtien qui est lié. À nos côtés vidéo, à qui ça veut dire. Nous c'est haïtien nous y est. Nous venons aux États-Unis, ça fait 6 mois de cela. Nous à peine souhaité voter pour Kamala Harris. Donc, ou déjà ouais, que moun sa yo a utilisé yon moun noir qui est pour haïtien pour créer des vidéos, pour publier, pour faire comprendre que haïtien est venu ici. Il a voté illégal pour Kamala Harris 6 mois qu'il gagne ici. Il a déjà gagné citizenship. Il a qu'à voter pour Kamala Harris. Il a à peine voté. Et non seulement il vote pour Kamala Harris, il a montré qu'il vote dans multiples counties. C'est pas non seul. Dans multiples counties. On nous écoute encore. America 6 months ago. Nous sommes haïtiens, nous sommes d'Haïti. Nous venons en Amérique 6 mois de cela. Tendez bien, oui? Nous sommes d'Haïti. Nous venons aux États-Unis, ça fait 6 mois de cela. We're from Haiti. We came to America 6 months. Dual pour nous demander leader yo pour travailler selon ça qui vous voulez. Yon pays dictatorship.
pas respecté peuple là. Li fait salve li. Président déclaré salve li, li passe loi qu'il veut, li tue moun qu'il veut. Mais un pays côté qui ont anti crasse démocratie, li bay peuple sa yon souffle. Côté que personne est capable de choisir qui moun qu'il veut pour diriger. Et bien, je dis là, mesdames et messieurs, Vladimir Poutine a essayé d'écraser la démocratie des États-Unis parce qu'il voulait, c'est Trump qui est président et l'a publié des informations pour capable de laguer la division dans le pays. Et il choisit qui est Haïtien pour capable aider dans la campagne que li voté aux États-Unis illégalement. Alors il dit c'est Haïtien, il dit pour Haïtien. Mais j'en vidéo apparaître, c'est Haïtien qui est lié en nous coûter vidéo à qui ça que dit. Well, from Haiti, we came to America 6 months ago and we already have an American citizenship. We're voting Kamala Harris. Yesterday we voted in Gwinnett County and today we're voting in Fulton County. Nous sommes haïtiens, nous y est. Nous venons aux États-Unis, ça fait 6 mois de cela. Nous à peine souhaité voter pour Kamala Harris. Donc, ou déjà, ouais, que moun sa yo a utilisé yon moun noir, qui est pour haïtien, pour créer des vidéos, pour publier yo, pour faire comprendre que haïtien yon, li vini ici, il a voté illégal pour Kamala Harris. 6 mois qu'il gagne ici. Il a déjà gagné citizenship. Il a voté pour Kamala Harris. Il a à peine voté. Et non seulement il vote pour Kamala Harris, il a montré qu'il vote dans multiples counties. C'est pas non seul. Dans multiples counties. On nous écoute encore. Raphaël, came to America 6 months ago. Nous sommes haïtiens, nous sommes d'Haïti. Nous venons en Amérique 6 mois de cela. Tenez bien, oui? Nous sommes d'Haïti. Nous venons aux États-Unis, ça fait 6 mois de cela. From Haiti, we came to America 6 months ago and we already have American citizenship. Nous sommes haïtiens, nous sommes d'Haïti. Nous venons aux États-Unis, ça fait 6 mois de cela. Nous déjà gagné American citizenship. We're voting Kamala Harris. Yesterday we voted in Gwinnett County and today we're voting in Fulton County. Nous voulons voter pour Kamala Harris. Hier nous avons voté dans Gwinnett County. Jeudi là nous voulons voter dans Fulton County. Mais songez bien, Fulton County c'est un county côté que Donald Trump demandait pour yon faire jouer plus vote. Et c'est là qu'il disait qu'il y a plus de fraude. Dans Fulton County. Parce qu'il y a plus de noirs qui habitent là. Donc c'est côté ça qui a choisi pour yon publier comme pays qui a des haïtiens là-dedans qui a voté illégal pour Kamala Harris. Et bagay ça, mesdames et messieurs, ce sont des informations que la Russie lui-même l'a publié dans le pays des États-Unis pour capable créer division dans le pays. Nous gagnons Brad Raffensperger qui c'est secrétaire des élections dans Georgia. Nous sommes sortis avec toute force pour démentir genre de information ça y est. Pour déclarer que bagay sa yo, yo pas réel, yo faux, c'est bat que yo yé, et objectif là, c'est pour capable créer misinformation et problème dans l'élection des États-Unis. À nos côtés. This is not true. This is a bot. This is not what the facts are. And tonight, U.S. intelligence and homeland security officials are warning Russia, China, and Iran are engaged in a broad covert campaign
to divide and confuse Americans. Résolons ça. Résolons, mesdames et messieurs, comme on déjà dit déjà, c'est vous diviser et la confusion parmi les Américains afin qu'il y ait des ordres dans l'élection. Objectif là, c'est pour que la démocratie capable d'étudier aux États-Unis. Top sécurité des États-Unis à travail pour capable bâtir confiance dans le peuple américain pour assurer Mounio pour avoir confiance dans le système électoral des États-Unis. We want to undermine American confidence in our elections and trust in democracy, and they want to sow and stoke partisan discord. They want to pit Americans against each other. Ça, mesdames et messieurs, c'est raison. Je voulais créer une situation que il y a une guerre entre les Américains pour yon contre l'autre. Ça, c'est objectif là ici. C'est peut-être ça qui a fait tout le travail ça, yo. Et on choisit un pays noir, haïtien, pour mettre devant, pour faire comprendre que c'est les haïtiens qui ont fait travail ça, parce que vous connaissez bien. Trump déjà accusé haïtien à manger chat, à manger chien. Donc, si vous connaissez haïtien avec genre de problème ça, yo, il va rendre situation un peu effective. Donc, mesdames et messieurs, bagaille est terrible pour les Haïtiens aux États-Unis, pendant que la Russie qui emplit l'Haïtien remet, a essayé de faire travail ça pour capable de laguer division aux États-Unis. Mais ça qui est bon, mesdames et messieurs, c'est que, malgré toute attaque que pays Sayo a lagué sur les États-Unis, top sécurité expert aux États-Unis déclaré, élection 1, l'a passé bien. Machine qui a utilisé pour compter bulletin yo, li en sécurité, pas gen personne qui capable gen accès à yo même. Dans sens ça, peuple américain de confiance que système électoral là, li en sécurité et pays ça ou pas gen accès pour ta changer un série de bagay. En nous écouter. For the people that would say prove it, give me some specifics of why you're so confident. The voting machines that Americans use to cast their ballot are not connected to the internet. So great source of protection there. Very hard to hack something that is completely off. Ok, mesdames et messieurs, mais ça, ça veut dire, selon ça, top expert le pays a déclaré, machine qui est utilisée pour compter bulletin, yo, n'est pas connecté dans internet. Ça veut dire, la Russie, la Chine, Iran, Corée du Nord, Venezuela, pays ça yo qui t'a écrasé. Élection, hein, y'a pas de chance, parce que, système non, li en sécurité. Et c'est pas ça seulement, mesdames et messieurs. 97% dans vote, ou bien dans bulletin que peuple a voté, yo. Y'a des papiers qui est capable de compter. En cas que t'as un problème dans la machine, yo. Peuple américain capable de jouer un résultat élection, hein. Pendant qu'il est capable d'utiliser, il est capable de compter. Papier, yo. Qui ont voté, hein. Ça veut dire, y'a pas capable vraiment dérouter élection, hein, aux États-Unis. C'est ça qu'il y a fait. Si la guerre, c'est changer opinion monde, bail moun mes informations, faire ou penser sac par réel de un candidat, pour changer l'idée ou pour aller voter pour l'autre candidat. Ça y'a qu'à faire. Mais en ce qui a trait avec vote yo, moun qu'al vote yo, lorsque yo compte yo, ça, c'est réalité qui est liée. Donc, mesdames et messieurs, information ça va être important pour qu'on ait. L'op gade ou se de bagay ou appelé ou se de message dans social media. Pas qu'on y prenne pour vérité. Pas avant que ou pas vérifier avec un pile l'autre data ou bien l'autre source pour capable connaître est-ce qu'elles sont vérité ou bien sont mensonges. Parce que mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là,
gen yon pil travay ka fèt pou kapab dérouté eleksyon des États-Unis. Donc, selon rapor ki soti kòm mwen montre nou, enfòmasyon sa yo ki montre ke gen imigran ayisyen kap vote ilegal aux États-Unis, se la Rusi kap publye yo kòm mizenfòmasyon yo pa reyèl e les États-Unis ap travay pou kapab kontrekare tout mensonj sa yo afin vote la kapab konte reyèl e pep Ameriken kapab gon sistèm kote kel kwe eleksyon li mèm li jist e moun ki prezidan se li mèm ki de prezidan.